Jeudi 5 juin 2003, 11h du matin, à Marseille, cité Fossène, ville de métissage où de multiples communautés différentes se côtoient. Le soleil est accablant cette fin de printemps. L'air est à peine respirable et les gens, anéantis par une telle chaleur, restent calfeutrés chez eux, évitant les rues brûlantes. La température caniculaire, 35 degrés à l'ombre, semble avoir figé le temps, ralenti tous les mouvements. Ce jour-là, naît une petite fille. Naïda. Le titre « Le petit poussé » du premier roman de Chamfar Mahdi donne un ton trompeur parce qu'il prête en tout cas à confusion sur la lecture que l'on pouvait faire de ce roman. On pouvait croire qu'on a affaire avec une lecture d'une histoire merveilleuse, de contes de fées de l'histoire de jeune Naïda. Or, la réalité de ce récit est tout à fait différente. Il s'agit d'une histoire tragique. Une histoire tragique d'une fille abandonnée à la mort et donc à son école, dans son école, elle est tombée dans une citerne et mort. Et là, c'est ce qui a guidé la plume de Chamfar Mahdi de mettre en récit cette histoire tragique. Parce que c'est la seule façon pour lui de s'exhumer et de pleurer par la plume la mort de sa fille. Mais au-delà de l'anecdote, du déroulement, du comment la mort est survenue, c'est un roman révolutionnaire point de vue romanesque parce que ce roman opère trois ruptures. Première rupture, c'est que, eh bien, ici, il ne s'agit plus de ne pas expliquer la mort, il faut l'expliquer. Il n'y a pas de la mort qu'une mort expliquée. Deuxième rupture, c'est qu'une fois expliqué la mort, une fois qu'on a rompu avec ce rapport désincarné, inexpliqué, naturel de la mort, une fois qu'on a délogé le rapport à la mort, à l'idée qu'on se fait, et que la mort elle-même, l'idée qu'on se fait de la mort elle-même, soit résituée dans l'orbite du monde du texte, eh bien, il faut tirer les conséquences de responsabilités au nom desquelles la mort est survenue. Et une fois démêler les responsabilités, une fois que les responsabilités sont dégagées, et donc il faut porter plainte, non pas contre Dieu, mais contre, bien sûr, les responsables. Contre les responsables, et c'est dont il s'agit ici. Parce que, selon l'auteur Chamfar Mahdi du Petit Poussé, le mort va à Dieu, mais la mort vient de l'homme. Et donc, c'est dont il s'agit ici, dans ce roman, Le Petit Poussé, que je vous recommande, un roman bouleversant, émouvant, mais d'une vaillance inouïe, d'un père affecté et bouleversé par la disparition tragique, mais puisque la mort est expliquée ici, l'auteur est rassuré et disculpé, donc un livre donc publié aux éditions de la Lune.